sommes de retour. Début de la nuit? What? Ah oui, non, c'est vrai. Alors, nous sommes de retour au Mount Timberwolf. Nous avons fait... Il y a un bruit de fou, hein. Beaucoup de vent. Beaucoup de vent. Y a pas un loup là-bas? J'ai l'impression qu'il y a un loup là, pile devant. Bon, bref. Donc, nous avons enfin fini le Mount Timberwolf. On l'a fait en entier. Enfin, on l'a pas fait en entier. Mais on est allé donc à la section de la queue avec tous les cargaisons de fret et tout ça. On a récupéré du fret aussi sur le chemin. Ça s'est plus ou moins bien passé. On a récupéré quand même pas mal de choses et pas mal d'objets assez cool. Mais du coup, on va aussi rester un tout petit peu plus longtemps. Pourquoi? Parce que bon, déjà, on a pas mal de pots qui sont assez sympas. Genre, par exemple, l'ours et tout ça, je voudrais que on l'utilise sur nos vêtements et qu'on rafistole. Genre, celui-là, par exemple, à 82%, on pourrait le remettre à 100%, ce serait pas mal. Excusez-moi, j'ai un peu mal à la gorge. Il y a la peau de cerf séché qu'on pourrait utiliser. Il y a plein de peaux aussi qu'on a dans des grottes. Donc on a encore quelques trucs à faire ici. Aussi, il faut qu'on aille faire... J'entends quelque chose marcher. Vous entendez? Sur ma gauche. Il y a la photo qu'on doit faire aussi. Nous, on est à peu près là. Donc on peut aller voir si on peut y accéder directement. Donc on a quand même pas mal de choses. On n'a pas de... Ah, 5. T'es sérieux? Juste là? Il doit être juste là. Oh là là. C'est quoi ces... C'est quoi ces loups là? Ils sont super agressifs comme ça et qui rentrent dans les maisons des gens sans être invités. Au moins c'est pas des vampires, ça c'est sûr. Hein. Oh là 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 là. Vous avez compris pourquoi j'ai dit ça ou pas? Est-ce que vous avez compris? C'est des vampires, il faut qu'ils soient invités, etc. Enfin bref. Aïe. On a aussi des champignons à récupérer. On a aussi pas mal de champignons à récupérer. On est à 33 kilos. Est-ce qu'on peut encore baisser le kilo? On peut enlever ça. La scie, on va l'enlever aussi. On n'a pas besoin. On est bon, on est à 31 kilos. On a presque 2 litres d'eau et on a encore un peu de nourriture. Ok, très bien. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On part pour des grottes ou alors on part à gauche et on essaye de voir ce qu'il y a sur le côté gauche? Je dirais que pour le moment, on devrait faire le... les grottes. On devrait faire les grottes. C'est bon, on peut y aller. On devrait faire les grottes. Il fait un peu froid. Donc on va peut-être pas trop s'aventurer. On va essayer de récupérer des ressources. On est un peu en mode farm. Je vais être honnête. Ça va être un peu le mode farm en ce moment-là. Ouais. Ça va être de la farm. On a toujours un cerf ici. On va pas le prendre. On va pas le faire maintenant. On va le faire quand on en aura besoin, parce que pour l'instant on a encore... déjà on a le loup maintenant, donc ça fait un de plus. Genre à dépecer, à prendre leur, faire cuire et tout machin. Mais surtout on a encore un peu de... On a pas mal d'ours, donc voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est récupérer le plus de ressources possible sur les grottes, ce qu'on a mis dans les grottes et ce qu'on a laissé un peu tout autour aussi. Donc voilà, comme j'ai dit, on est vraiment en mode farm de ressources. Donc voilà, on va passer peut-être un ou deux épisodes à faire ça.
Je dis pas que ça va être chiant, bon, on va s'aventurer quand même, on va aller dans des endroits où on n'est pas allé. Et il faudra faire aussi la photo. La photo aussi c'est important. Mais voilà, on va quand même faire quelques trucs. Il y a un endroit aussi qu'on avait mis une corde, je crois. Faut aussi penser qu'on a plusieurs cordes. On en a une. On est descendu avec une corde. Et après, on a encore une corde qui est tout au sommet. Donc, on va sortir l'arc. Je sais pas s'il y a des loups là. Donc, on peut encore placer des cordes si on en a besoin. On a l'air d'être bon. J'aurais bien voulu dessiner un peu. Mais on est en pleine nuit. Après il fait pas extrêmement froid parce que c'est un peu bizarre même. Moins 7 à peine. C'est moi où il y a un problème avec les flèches. Là, on est à 3 flèches vers le bas, il fait à peine moins 7. C'est normal ça? Est-ce que c'est normal? Je trouve ça un peu étrange, moi. Là, c'est la corde. Ça, c'est une corde qu'on a rajoutée, hein. Je crois bien. Ou pas? On va voir. Ou c'est la corde qu'on doit prendre. Je m'en souviens plus vraiment. Après, on va par là. Non. Attendez, où est-ce que ça va là? On est pas allé en contre... En contrebas comme ça, ça me dit rien. On va un peu se balader, pas trop non plus, parce que quand même on a froid, mais on n'est pas full vie non plus. Donc, faut faire un peu attention. Mais bon, après on est léger, donc on avance vite, ça c'est cool. Des fois j'ai un peu de mal à me repérer. Non, là on va vers la grotte avec l'élan et tout ça. Après comme j'ai dit, l'élan... ouais, on s'en fout honnêtement. L'élan, on s'en fout. Ça pourrait être bien hein, parce que bon... Comme... Après pour ceux qui savent pas, donc deux sacs ça ne fonctionne pas. Hein. Moi j'avais déjà testé, ça ne fonctionne pas. Avoir deux sacs, ça pourrait être bien quand même. Je vois pas pourquoi ils n'ont pas fait fonctionner ce système. Mais ça marche pas. Après on pourrait faire deux capes en élan. Mais encore une fois la cape elle est pas extrêmement... Bon, je crois que c'est niveau étanchéité, c'est le top. Je crois que c'est 90%. Par contre le poids, je crois qu'elle est même plus lourde que le manteau en ours, je crois. On pourrait s'arrêter pour regarder, mais je suis un peu pressé par le temps. Ok, là on a que du bois, on a ça. Ok, on va laisser ça là. Bah attendez. Juste pour vérifier. Je crois que... Genre... 4 kilos... Non, 5 kilos, ok. Voilà, 90%, 80%. Après la défense, elle est très bien. Et bien sûr, bon, le sprint aussi. Mais voilà, on perd quand même beaucoup. En chaleur, on perd énormément même. On perd énormément. Si c'était mieux niveau chaleur, honnêtement, moi je... J'en ferai deux, hein, parce que bon, les pots d'élan, c'est pas facile, c'est pas la chose qui est facile à trouver, hein, l'élan. Mais bon, c'est vrai que voilà quoi. Excusez-moi, je bois un peu, ma gorge.
puis on se réchauffe. Mais voilà, c'est un peu embêtant. C'est pas utile. Voilà, c'est pas utile. Il doit y avoir des loups qui sont revenus là-bas. Ok, très bien. Et après, il doit y avoir l'élan aussi qui doit être là-bas. Enfin, l'élan, il a peut-être bougé. Hein. Il a peut-être tout simplement bougé. Hein. Par contre, j'ai pas mon... Si, si, j'ai mon sac de couchage. J'ai un peu peur. Juste, on peut sprinter tout ça, honnêtement, on n'a pas de problème d'eau ou de nourriture. Tiens, il y a une torche là. On va la prendre. Donc on avait plusieurs grottes. On en a une là-bas. On va voir ce qu'il nous reste. Honnêtement, j'ai plus aucun souvenir, ok? Je vais être honnête, j'ai plus aucun souvenir de ce qu'on a mis, oui, et tout, donc on va y aller là-bas. Je crois que celle-là, elle a pas grand-chose. Je crois qu'elle a juste des vêtements. Mais on va y aller pour être sûr. Se réchauffer là-dedans aussi. On fait un petit tas de bois en même temps. Ok, on y est. Donc ça, on va le laisser. Là, on a... Ouais, on n'a pas de choses intéressantes. On n'a pas de choses assez intéressantes. Ça, c'est bien. Chaussettes en laine, est-ce qu'on les garde celles-là ou pas? J'étais en train de me dire. Parce que c'est vrai qu'on a que celles-là. Après, bon, les chaussettes d'escalade, c'est le plus important, mais. On va les recycler. Après, est-ce que ça, on peut le prendre? On peut le prendre. Au final, on peut tout prendre, hein, en théorie. Hein. On peut tout simplement tout prendre. Et tout déchirer, tout ça. Pas de problème. Voilà, il faudra encore un petit 10 minutes. Voilà, c'est 30 minutes. C'est un cuir ou c'est un tissu? C'est ce que je pensais. Ça, par contre, je sais pas si ça vaut le coup de le déchirer ou pas. Je dirais que non, honnêtement, je dirais que non. Ok, on va aller à la prochaine grotte. On va aller à la prochaine grotte. On va d'abord boire, manger. Ah, très bien. Très bien. Je me rends compte qu'on aurait peut-être prendre un peu plus de choses par rapport à la nourriture et à la boisson. On va essayer de pas trop sprinter non plus. Parce que là il fait moins froid, donc autant prendre notre temps. Donc là, tout droit, prochaine intersection, on continue tout droit et après on va à gauche, on monte. Je crois qu'on devrait trouver des choses intéressantes. Je pense.
Faudrait qu'on dorme. On va peut-être, à la limite, dormir dans une des grottes, dans la prochaine grotte. Pour que on se réveille en fait en pleine forme en début de journée, vous voyez. Bon, ouais, par contre, je suis en train de me dire, si jamais on se fait piéger par une tempête, ça risque d'être un peu un problème. Parce qu'on n'a pas trop d'eau et on n'a plus de nourriture. Bon, après, j'ai encore des massettes à la limite. Ouais, normalement, là, on devrait repartir par là, mais nous, on va continuer. Alors, je sais pas si on peut passer par là exactement et après remonter, ou alors il faut faire tout le tour de l'autre côté. On va voir. On va voir. Mais on se balade, c'est tranquille. On est plus pressé, on est pas en surpoids tout le temps. C'est pas la catastrophe pour se déplacer. Donc, c'est un peu plus cool. Ouais, je pense qu'on va devoir faire le tour de l'autre côté. Je crois que c'est un cul-de-sac, là. On va voir. Là, il y a un pont, je crois. Pont naturel, comme je les appelle. Ouais, non, c'est un cul-de-sac. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes? Quoi ça à gauche? Il y a des trucs par terre. Cool, cool. On pourrait dormir là. On pourrait dormir là et se réchauffer. Mais je crois qu'on va... On va rentrer du coup. À la limite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer, on va se vider parce qu'on a pris quelques kilos en fait. On a pris quelques kilos, donc autant se vider. Et on va aussi potentiellement genre dépecer le loup qu'on a dans la maison. Comme ça, on aura de la viande fraîche à cuire si jamais on en a besoin. Vous voyez, quand on fera du feu, on fera de l'eau et en plus on fera de la nourriture. Et prendre aussi des réserves en fait, parce que je suis parti un peu léger, j'avoue. Parti un tout petit peu. C'est quoi ça? Parti un tout petit peu léger. Mais bon, on a eu de la chance, c'est pas très mauvais. Non, c'est vide. À chaque fois, ça, je crois que c'est un lapin. C'est pas un lapin. C'est quoi ça devant? Ah, c'est un loup. Chier. On va bifurquer là. Si on peut éviter les combats, on les évite. Hein. Commence à faire nuit par contre, enfin, bien bien sombre. J'avoue que je vois pas grand chose. Donc ouais, si on peut éviter les combats, on l'évite. J'avoue, je vois pas grand chose, c'est un peu embêtant.
Ouh, commence à faire du brouillard en plus. Ah putain. C'est que la cheville, je vois rien. Attends. Ça c'est un lapin. Non, on va rester sur la glace. Parce que je monterai bien par là en fait. Mais on peut pas sprinter rien. Donc je préfère rester sur la glace. On a une meilleure vue quand même. Ok, on devrait être bon. Ouh, ah là là. Ah là 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 là. Voilà, très bien. Donc. Alors, on a récupéré ça. Tac. 19 petits morceaux de bois qu'on pourrait... Enfin, on met par terre, mais c'est vrai qu'on pourrait les mettre là. Hein. On a quand même 40 kilos. À quoi que ça va vite. Hein. Ça se remplit vite. Il fait presque nuit... il fait presque jour. Enfin, non, c'est minuit. Il fait pas presque jour, mais... Est-ce que ça vaut le coup de dormir maintenant ou on attend... Ouais, que... Elle est à moitié fatiguée. Ah, on va dormir maintenant. On va dormir maintenant, c'est mieux quand même. Je crois qu'on va devoir faire un feu, honnêtement. Parce que c'est vrai qu'on n'a plus d'eau. Alors, est-ce qu'on a des choses à jeter? On va faire ça. On n'a plus vraiment d'eau. Déjà. Ça va vite, hein. Ça va vite, mais bon. C'est du lapin. T'es à combien? 0%? Non, 1%. Ok. Ok, on va dormir. Ok, très bien. Très bien, cette petite balade s'est bien passée. On a récupéré quelques trucs, c'est cool. Rien de... De super extraordinaire, mais... Ah tiens, on a de l'eau. On a qu'un litre 76. 79, pardon. Ah, on va faire du feu. C'est embêtant, ça. J'ai envie d'attendre un peu, peut-être. Parce que peut-être qu'il va faire jour et on pourra utiliser la... La loupe. Peut-être qu'on pourra faire ça. Donc on va attendre. Allez, on sort. Je voulais voir s'il y avait des choses intéressantes derrière la maison. Parce qu'on n'y est pas vraiment allé. Après, on va rentrer. On va prendre un steak en plus. Et on va aller... On retourne vers les grottes pour aller récupérer ce qu'on avait laissé. Mais d'abord, je vais juste aller me balader, genre là. Il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose. Peut-être par là. C'est l'épisode tranquille, honnêtement. J'ai envie de dire, c'est un peu l'épisode filler. C'est vraiment l'épisode filler où on... Où après un grand combat, on a un moment de calme. Donc, tout le monde fait ses petites activités, vous voyez. C'est pas grand-chose qui se passe.
Ouais. Bon, on rentre. Rien du tout. Ça fait, par contre, ça fait du bien, c'est de se déplacer aussi vite. J'avoue que pouf, ça m'a... Honnêtement, ça m'avait manqué de pouvoir rusher comme ça d'un endroit à l'autre. Il y a des lapins là qui sont revenus ou pas? Non, pas vraiment. Ouais, mais j'avoue que c'est vraiment cool. Faudra vraiment qu'on fasse une bonne nuit pour récupérer de la vie, par contre. Allez, qu'on soit full, parce que c'est vrai que c'est un peu, on va dire, dangereux quand même. Je veux bien qu'on y aille un peu bourrin, mais... Enfin, rapide, on va dire. Droite, gauche, mais... dormir une heure. Mais ouais, ça, c'est quand même dangereux de jamais être full vie, parce que là, on est plus full vie depuis un petit moment. Donc, faire attention. Ok, très bien. Si jamais, quand on sera dans une grotte et tout ça, si jamais il fait jour, on fera une pause feu. C'est pour ça que je garde un peu de bois sur moi. On utilisera la loupe. On utilisera la loupe. J'ai envie d'aller à gauche. Mais bon... Faudrait... Non, mais faut aller récupérer ce qu'on a laissé. Ouais. Ah, j'ai envie. Hein. Non. D'abord, comme j'ai dit, dans cet épisode, on récupère les choses qu'on a laissées dans des grottes. Voilà. La prochaine fois, on fera le côté gauche ou des trucs comme ça. Alors après, par contre, je risque de faire une ellipse, en fait, comme d'habitude. Parce que je suis en train de me dire... on va faire maximum deux épisodes, on va dire, on les appelle fillers, mais c'est pas vraiment ça, mais on va dire qu'on va faire deux épisodes de petite farm ici, tranquille, où on refait un peu le tour de la zone, sans trop se presser. Attendez, est-ce qu'on passe par là ou pas? Non, on va pas passer par là, pas par la corde. Sans trop se presser, où on récupère donc les objets qu'on a laissés en grotte et tout ça. Mais après... après, je crois, vu que je veux refaire mes vêtements, je pense que je chasserai un peu plus de peau. Et je les mettrai de côté, je laisserai passer des jours ici. Et genre même les fûts de flèches aussi. Je voudrais bien faire plein de fûts de flèches. Est-ce qu'on peut descendre directement? Parce que honnêtement, si on peut descendre directement, genre sur le côté, comme on fait d'habitude, ça nous ferait gagner énormément de temps. Mais je suis pas... Oh, honnêtement, ça passe. Honnêtement, ça passe. Ouais, ça passe. Ne faites pas ça chez vous. Enfin, honnêtement, si vous avez une montagne chez vous, c'est un peu chelou quand même. Genre une montagne dans un appartement, c'est un peu chelou. Ok, alors attendez, est-ce qu'il y a un loup? J'ai pas l'impression. Ah ouais, non, mais on... D'accord. Vous voyez, j'en ai appris une. C'est vrai qu'on peut passer par là. C'est vrai que on peut passer par là. Alors on a la corde.
Honnêtement, non. Honnêtement, non. On va faire le tour. On va faire le tour sans la corde. Comme ça, on arrivera à la grotte. Vous savez, la grotte... Enfin, l'intérieur, quoi. Comme ça, on pourra y aller. Oh, je suis en train de me dire... Ah, on n'a pas de... Je crois que j'ai fait une erreur parce que il y a sûrement un j'en avais parlé, genre un conteneur de fret qui nous manque. Donc il nous faudrait une scie. On va se mettre là. Ah. On pourrait faire un autre conteneur. Je crois que c'est sur la partie gauche de la de pas de l'avion, de la région. Donc ouais, c'est ouais non c'est vrai que j'ai. En plus, j'y ai pensé hein, quand j'ai déposé la scie. J'y ai pensé quand j'ai déposé la scie. C'est bête. Oh, c'est pas grave. Comme j'ai dit, on va faire le tour des grottes. On fera le reste après. Quand on ira chercher la photo, il faudra que je récupère la scie. Ok. On va faire ça. Let's go. On a repris le sac de couchage. À chaque fois, j'hésite. Ah non. Oh là. On est rapide. Let's go. C'est pas grave. J'ai pas envie de perdre mon temps en fait. On connaît plus ou moins le chemin donc ça va, ça devrait aller. Et puis on est dans une des sortes de tunnels, enfin pas des tunnels mais des couloirs qui sont protégés un peu par le vent donc ça va, ça passe. Vous voyez à chaque fois on a le symbole. Donc ça c'est un peu le... T'avais touché toi ? Franklin, start on Tomorrow for Blackfish River. Okay. Attendez, par contre, on vient de là, donc du coup, nous c'est à droite qu'on doit aller. Donc c'est à droite puis à gauche. Là ça devient ouvert. Viens ici. Alors, on peut faire un peu attention parce qu'on peut tomber sur des peluches vivantes. C'est un peu embêtant. Par contre, j'avoue que c'est un peu la merde pour voir quelque chose. J'avoue que c'est un peu la merde. Normalement, on devrait avoir une paroi devant et ça sera la grotte. Et, enfin, ça sera la montagne, la paroi montagneuse avec la grotte. On y était allé, hein, bien sûr. On était allé. Ouais, on doit y être. Je crois. Non, si, je reconnais avec la marque, là, comme ça. La grotte, elle doit pas être loin. C'est le rocher. Vous vous rappelez, on fait le tour du rocher. Et là devant, y a la montagne et la grotte. Je crois que... Ah ben elle est là. Tada! Alors espérons qu'on a beaucoup de bois. Oh, j'en vois déjà, ouais, c'est très bien. Très, très bien. Voilà, on a chaud. C'est pas mal, c'est pas mal. On a ça, lapin séché.
Bah, attendez. Autant passer du temps, on va coudre. Alors, réparer 36 minutes. 36 minutes? Let's go. Voilà, donc 100%. Et après, il y a les moufles. Hop là. Hey. C'est pas mal, hein. Excusez-moi, j'arrête pas de boire des gorgées de temps en temps, parce que j'ai vraiment ma gorge. Je veux pas commencer à tousser. Ne vous inquiétez pas, c'est pas le... Hein, vous savez quoi? Tout va bien, c'est juste ma gorge. J'ai pas posé les vêtements quand on est rentré. J'ai complètement oublié. Donc attendez, donc on vient de réparer. Donc ça c'est cool. Ça c'est cool, c'était un peu gratuit on va dire. On va les prendre sur nous du coup. On va prendre ça, ça. C'est très bien. J'ai envie de... Comme ça. Alors, ce qu'on va faire... Attends, ça, il faut effacer. Ok. Peinture, pivoter, changer de forme. Image de feu. Okay. Qu'est-ce que c'est... Attends, qu'est-ce que c'est que ça? Mais il y a une mise à jour entre temps ou quoi? Quoi? Excuse-moi. Ah, c'est le repère multiple. Ah, mais j'ai jamais vu ça. Ah d'accord, tu peux... Ok. Mais je viens de le... Ça a pas dû compter en fait. Comme quoi je l'avais effacé. Je vais supprimer ce repère et disparaître. Oui. Voilà, l'image de feu, très bien. Ok. Bizarre ça, pourtant je viens juste de l'effacer. En plus je me suis fait chier à l'effacer. Bon, c'est pas grave. Bon, il fait bon en tout cas, donc on va aller de ce côté là. Parce qu'on a vu sur la map qu'il y avait plein de choses, donc je sais pas si j'ai tout ramassé la dernière fois. Mais on va y aller. Donc c'est pas cette grotte avec un nombre immense de bouts de bois, parce qu'il y avait une grotte, on avait au moins 5 ou 6 branches qui traînaient. Je vais être honnête, j'ai envie d'y aller. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'y aller? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Ouais. Pas de champignons. Ah, ça vaut le coup. On est dans la zone, donc pourquoi pas y aller, vous voyez ce que je veux dire. Mais par contre, du coup, on va devoir prendre une corde. C'est un peu embêtant. Bon, je crois qu'il n'y a plus rien. Je crois qu'il n'y a plus rien. Par contre, il faudrait peut-être se reposer un peu plus si jamais on veut prendre la corde. On était allé là. On va se mettre comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va dormir un peu plus ou alors on prend la corde directement? Il va falloir qu'on s'arrête et faire du feu. Hein. On va s'arrêter et faire du feu si jamais on veut vraiment continuer. Je pense qu'on peut prendre la corde. On va peut-être dormir genre une heure au pied de la corde avec le sac de couchage. Et je crois que ce sera la prochaine grotte.
J'ai envie de dire je suis sûr, mais je suis pas sûr. Je suis pas complètement sûr, mais on est à combien? On est à 37. 37, ça va. Mais presque, quasiment sûr que c'est la prochaine grotte. Ah, il y a une corde qu'on aurait pu mettre, il y a pas, pas loin. Je vais le montrer. Vous savez, c'est le moment où on a fait la grotte là, en T. Là. Enfin, c'est pas vraiment une grotte, mais le passage en T. Il y a un endroit, en fait, c'est un cul-de-sac. Et c'est le cul-de-sac, en fait, c'est l'endroit où on met la corde. Mais du coup, on n'en a pas. J'aurais dû en prendre une sur moi, peut-être. Ça aurait pu être pas mal. Ça éviterait de faire tout le tour, en fait. Ça éviterait de faire tout le tour. Mais bon, c'est pas grave. Et vous savez la grotte où j'en ai parlé, où on s'est reposé? Je crois que c'est cette grotte qui mène au lieu où il y a le... bon, déjà, la cargaison de fret qui nous manque. Je crois que c'est à cet endroit. Mais il n'y a pas que ça. Je pense que c'est possiblement là qu'on doit passer pour aller récupérer la photo. Enfin, aller à l'endroit de la photo. Je pense que c'est là. Donc, du coup, quand on rentrera, on prendra donc la scie. Et on passera par cette grotte et on ira explorer, en fait, ce côté-là. Parce que c'est la première grotte, c'est la grotte qu'on a complètement zappée, en fait. On n'est pas allé à l'autre bout. Là, je vais juste me réchauffer. Là, combien on a moins 4. C'est très bien, moins 4. Hop, 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 hop. Voilà, très bien. Ah, c'est embêtant le coup de la corde. C'est vrai que... Il fait moins de 2 degrés. Très bien. Coco. Ah oui, c'est vrai que j'avoue que... Ah, ça aurait été vachement bien de pouvoir avoir une corde. Mais bon, on a tellement de choses à récupérer. De toute façon, on n'aurait pas pu passer la corde et tout ça. Genre, avec une corde, on n'aurait pas pu passer cette corde, par exemple. C'est 5 kilos à chaque fois, faut y penser. Après, on pourrait... On pourrait détacher celle-là et aller l'accrocher là-bas. Est-ce que ça serait pas malin de faire ça? Parce que du coup, ça irait plus vite. Je crois... Je crois que ça irait plus vite de faire ça. Attends, je l'ai pas... Ah... C'est peut-être pour ça ou c'est qu'il y a deux endroits pas loin de l'autre. C'est pour choisir, en fait. Parce que là, on a tout récupéré. On a récupéré tous les bois. On a récupéré... Bon, les pots qu'on avait, c'est pas ça, en fait, qui est intéressant. C'est les bois vers le bas, là. Donc du coup, les bois vont pas repousser, vous voyez ce que je veux dire. Donc on va pas y retourner, en fait, à cet endroit. Genre à cet endroit-là, on va pas... Enfin, ici. On va pas y retourner. Par contre, tu veux pas me marquer la corde sur la map, s'il te plaît? Ça, par contre, ça m'embête à chaque fois. Je fais exprès d'aller en hauteur pour que tu m'écrives tout, mais au final, tu m'écris rien du tout, quoi. Ça m'énerve. Ça a arrivé plusieurs fois. Ah, voilà. Et après, il y a un autre endroit. C'est là-bas. Oh, qu'est-ce qu'on fait? Alors d'abord, on va aller à la grotte. Déjà, on va aller à la grotte. Comme ça, c'est fait. De toute façon, il faut qu'on se réchauffe aussi. Là, il y a un cerf. Deux serres, trois serres. Ah, la grotte est juste là.
Je vais essayer de dessiner le plus possible en fait pour pouvoir plus ou moins expliquer. Parce que c'est un peu compliqué à chaque fois de vous dire, oui, vous rappelez quand on est allé à droite au lieu d'à gauche, ben voilà, on aurait pu mettre une corde. Puis comme ça, on passerait par la gauche au lieu de la droite. C'est un peu compliqué de d'expliquer comme ça, honnêtement. Donc, bon. Me dis pas qu'il y en a un qui est rentré dans l'eau. Ah putain, il m'a fait peur ce con. Ah, c'est pas celle-là. On était allé là? J'ai pas l'impression qu'on... Ah non, on n'est pas allé là, tu vois. Intéressant. Intéressant. Pas allé. Alors, attends, est-ce que si j'arrive à bien montrer en fait... Oui, 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 alors là... Grotte avec le sac à dos, vous vous rappelez, avec le sac à dos et la petite boîte juste à côté. En fait, ça fait un T. Ça fait, enfin là, on peut le voir, ça fait comme ça, enfin ça fait un T quoi. Vous voyez, c'est à trois branches, c'est à trois branches. Donc nous, en fait, on a fait ça, comme ça, et on est passé par la corde, on est monté par là. Le truc, c'est qu'on pourrait. Non, attendez, le chemin, ça serait comment? Bah du coup, nous, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on est descendu directement à un moment sur le moteur de l'avion. Conteneur de fret. Nous on est voilà, nous on était là, on est venu directement ici. Faudrait qu'on dessine cette partie-là, ça m'énerve. On est directement descendu ici, mais après du coup, on a fait le tour comme ça pour monter en hauteur parce que là c'est le bas et ça c'est le haut. Donc on a fait ça comme ça, tac. Vous voyez, on a fait un gros zigzag en fait pour arriver là. Mais si on mettait une corde ici, du coup ça nous dit ça, on ferait genre ligne droite comme ça. En descendant là sur le bord. Puis après on monte. Puis au lieu de tourner à droite, on tourne à gauche. Et là on monte directement comme ça. Voilà. Donc ça serait pas mal de changer cette corde là à ici. Voilà, tout simplement. J'ai pas vu qu'il y avait des champignons. Parce que ici on avait pris... Ouais, les bois ils étaient là. On les a tous pris les bois, donc cette zone là en fait elle est inutile pour nous, elle est plus, on va pas y retourner, ça sert strictement à rien. Par contre on va peut-être faire du feu. Ah oui, j'ai vu ça. Par contre on va peut-être même... Ouais, peut-être se faire un cerf ou deux là, non? On va se faire un cerf. Ok, très bien. Est-ce que t'es ok pour faire du feu? Il y a trop de vent. Attends. Si j'ai cru voir... Ça va être débile. Je sais pas si je le fais ou pas. En fait, il y a un endroit où on est protégé du vent. Regardez la flèche, elle, vous voyez. Ah! Ici, on est protégé du vent. Moins 3 degrés. Ok. Ça c'est de la stratégie. Ça c'est de la stratégie. -3 degrés. Oui, on est protégé du feu ici. C'est
pas mal, hein. I wonder if I can drop any of this gear. c'est marrant des fois. Alors, on va faire du feu ici. Très bien. On va faire comme d'habitude, notre petit camp, on va mettre ça. Je vais prendre l'habitude de faire ça aussi. Ça fait comme si c'est on posait camp en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, très bien. Oui, c'est vrai qu'on a le niveau 5, c'est cool le niveau 5. Alors, on va faire cuire les steaks et on va faire de l'eau. Tu disais? J'ai pas entendu. Elle voulait sûrement se plaindre encore une fois. Très bien. ...40 minutes, très bien. Et faudrait faire tomber ça. Chop chop. ...40 minutes. Est-ce que on a besoin de faire quelque chose? Enfin, est-ce qu'on peut faire quelque chose? On a ça, 30 minutes. Très bien. De l'eau. Il y a un truc qui a... C'est encore un cerf, ouais. Non. J'ai un peu peur en fait qu'il y ait des ours. Je sais pas si c'est possible en fait, à cet endroit. Très bien. Ouais, il nous faut de l'eau. Elle est fatiguée? Ah oui, c'est vrai, elle commence à être un peu fatiguée. On va prendre la peau. On va aller récupérer notre eau. Ah, là-bas il y a un loup qui chasse un cerf. Wow, ok. On va récupérer le reste des steaks. On va peut-être même prendre les boyaux. Aurore boréale ? Aurore boréale. Risque rien. Enfin, je pense. Ça va. On est plutôt bien mis. On a plein de feu. On a. Je crois que même on a du charbon. Donc on peut faire un feu qui dure extrêmement longtemps. On a. Non, ça va. Ça va. On reste cool. On a encore des boyaux séchés.
On a ça. Est-ce que la fourrure, on va la prendre? C'est quoi, 0,50? 0,50. Je crois qu'on va la prendre sur nous quand on va partir. On va sûrement laisser un peu de nourriture ici. On va aller récupérer les boyaux. Pas rassuré, hein. Je sais pas pourquoi, je suis pas rassuré ici. Je sais pas, ça me... Je sais pas. Ça me perturbe un peu. J'ai 3 heures de feu. J'ai envie de prendre les boyaux avec nous parce qu'ils seront pas secs. Je sais pas trop en fait. Enfin, est-ce qu'on a besoin de prendre des boyaux? On prendra que la peau. Parce que les boyaux, ça va, on va sentir en fait de loin. Donc ça va être un peu un problème. Ça va être un tout petit problème. Donc on va laisser les boyaux. On va prendre... Est-ce qu'on va prendre tout à manger? On a combien? 2, 4, 6. 2, 4, 6. On a encore un steak. Ça fait 6 steaks de réserve. Est-ce qu'on va en laisser? Ah, on devrait en laisser. Donc du coup, on est là. Clairière au cerf. J'ai envie de visiter là, voir s'il y a quelque chose. 24 minutes. On y va. Il fait pas très froid, mais c'est un peu dangereux. On était passé par... Je pense qu'on était passé par là, mais on s'est pas vraiment aventuré. Oui, parce que je crois qu'on était monté comme ça. Mais le truc, c'est qu'on n'est pas vraiment resté dans la zone. Par contre, j'ai un peu peur, c'est du loup. Ouais, on était passé par là. Ouais, avec le fret. Le fret qu'on a ouvert, c'est bien fret, ça. Ouais, ouais, c'est bon. Oh, putain. On a juste du vent devant nous. Ok, le cerf, il est là. Le cerf qui a été tué par le loup. Non! Il est devant nous. Vous le voyez? Il est passé où? Il est là. Il va méga vite. Il m'a vu. Je
Qu'est-ce qui se passe? Il a eu peur. Mais il a complètement glitché, quoi. Aïe, 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 c'est des moments comme ça, des fois, qui vous... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas quoi faire. Est-ce que je l'attaque? Est-ce que j'attends juste que la... What? What the fuck? Et putain de jeu! J'y arrive pas. Je vais pas m'énerver parce que je vais pas m'énerver. Alors on a une entorse, on saigne ou pas? Non, on a juste des entorses, ok. On va soigner quand même des entorses. Parce que si jamais il revient... Du coup, j'ai pas tiré de flèche en fait. On aurait pu le tuer s'il glitchait pas. Je savais pas ce qu'il faisait. Il faisait du surplace, il avançait, il reculait. Je savais pas ce qu'il faisait, donc du coup, oui, c'était un peu dur de gérer. Oui, c'est merci le jeu, quoi. Oh la vache. Mon dieu. Quelle merde. Bon. Ouais, on va rester accroupi, comme ça il va pas nous flairer de trop loin. Je suis même pas énervé à la limite, c'est juste... je suis un peu triste en fait. C'est pas très grave, ça va, mais c'est juste que c'est débile en fait ce qui vient de se passer. C'est juste absurde. Je voudrais bien voir en fait si la... L'aurore boréale y est toujours. Bah après on l'a coupé, le loup. Donc normalement il devrait être parti. Non, l'aurore boréale est toujours là. Il devrait pas vraiment revenir, je pense pas. En plus, pourquoi il nous a attaqué? Enfin, oui, je crois pas que la lumière des feux lui fasse peur en aurore boréale. Le feu leur fait plus peur, mais non, ouais, il nous faudrait des lampes, en fait. Alors que dans un sens, ça n'a pas vraiment de sens, parce que, bon, s'ils ont peur de la lumière électrique, c'est pas des vampires, quoi, hein. Parce que les vampires, normalement, entre les UV, si c'est pas des UV, si c'est des lampes, ça marche pas, par exemple. Mais ils devraient avoir peur de la lumière du feu. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Enfin bref.
Ça va m'énerver. Voilà, enfin bref. C'est cool, c'est fun, c'est vraiment fun. Ça me fait vraiment plaisir. Donc je crois qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Parce que là je suis de super bonne humeur. Par contre, est-ce qu'on dort encore? On a quoi? On a 1 litre 6. On va faire encore un peu, genre 1 litre d'eau. Et on va s'arrêter. On aurait pu le tuer, quoi. C'est impossible hein, d'appuyer plusieurs fois là, de taper, c'est de tapoter. C'est impossible en intrus. Hein. C'est juste impossible. Hein. Je veux pas dire, mais j'étais à deux doigts. Moi, j'étais avec les deux mains sur la souris. Impossible de le faire. On va faire ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? Donc, je veux voir les vêtements, en fait, s'ils ont pris cher. 94, 15. Non, ça va. J'ai envie de réparer ça. Non, non, mais ça va, tout va bien. C'est pas grave. C'est pas grave. Juste que ça arrive, quoi. Ça arrive parce que ce jeu, il est codé par des incapables. Pardon, 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 pardon. Je veux pas dire de méchanceté. Ah, très bien. Ok. Voilà. Donc on a 2 litres 6, très bien. On a de la nourriture, très bien. On en a par terre aussi, on a 6 steaks. 4 ou 6 2, 6. Ok, on a 6 steaks, très bien. Donc on va pouvoir repartir. On a récupéré donc 4 boulots. Alors sûrement, il faut que je le note. Donc on va essayer de changer la corde d'emplacement. Je crois, pour repartir. Et c'est à peu près tout. Je crois qu'on va juste partir, en fait. On va changer... Oui, on va juste rentrer, parce qu'on a quand même beaucoup d'objets. Quoique non, on n'a rien, en fait. Non, on n'a pas grand-chose. Non, on pourrait continuer, en fait, aller récupérer les autres choses dans les grottes. J'ai envie... Ouais. Je sais pas, on va voir. On va voir. Mais il faudra changer la corde de place. Mais je sais pas trop. Bon, c'est pas grave. Allez, on dort. Ça m'énerve, désolé. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao.